Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler de panettone. Le panettone, c'est ça. En fait, on l'a déjà un petit peu attaqué, hein. On s'est régalé. C'est surtout Virginie et Aurélie. Ça, vous le verrez juste après. On a fait déguster Aurélie une fidèle cliente de la pâtisserie pour nous donner son avis sur le panettone. Pour faire vite, rapide, c'est une brioche italienne réalisée sur un levain naturel que je cultive depuis quelques années maintenant. On voit, c'est une pâte très 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 moelleuse. Ici, peut-être qu'on peut le voir quand je le déchire. De toute façon, on le verra tout à l'heure à la dégustation. Ça sent super bon. C'est excellent. C'est un produit de conservation. On en a maintenant de manière régulière au magasin. Vous n'hésitez pas à venir réserver, commander. Dedans, c'est à base de raisins secs macérés dans du jus d'agrumes et d'écorce d'orange confite. Voilà, ensuite, je vous laisse découvrir tout ça en image, toute sa fabrication. C'est intéressant. Vous verrez, c'est fabriqué sur 2 jours. C'est assez contraignant et très technique à réaliser. Je suis ravi de vous proposer ce produit au magasin. Et sans plus tarder, la dégustation d'abord et ensuite la fabrication avec Virginie et Aurélie. C'est parti les amis pour la fabrication du panettone. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à la pâtisserie pour goûter le panettone, donc en compagnie d'Aurélie. Bonjour Aurélie et bienvenue avec nous. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous connaissez un peu ce produit? Oui, le panettone. Oui. Italien. Bien après, sûr, par excellence, le produit par excellence. Je ne sais pas plus. Je ne sais pas plus. Alors, il n'y a plus qu'à déguster, alors j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Allons-y. Allons-y. Waouh. Donc, on a quand même une coupe charmante de ce produit, j'ai envie de dire. Bien levé, bien aéré, bien alvéolé. Comme on le souhaitait d'ailleurs, et c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Donc c'est l'heure de goûter. Allez, allons-y. Voilà. Merci. Alors, déjà cette odeur, hein. Ouais. On a vraiment l'odeur du vrai panettone et très très bon. Il faut, il faut. J'ai attaqué, c'est trop beau. On sent bien les agrumes. La mienne, elle est trop bonne. Filante. Bien souple, oui, filante, ouais, c'est ça. Filante. Bien souple, elle est. C'est super bon. Il faut venir. Oh, c'est excellent. Ça croustille bien, ça, c'est vraiment moelleux à l'intérieur. Un délice. Et puis alors, il y en a beaucoup et vous nous avez gâtés là. Il y a pas mal de fruits confits, c'est excellent. C'est que de l'orange? Orange, alors raisin et orange confite. Faut venir. Hein. Donc il faut venir donc nous retrouver à la pâtisserie de la Sainte-Baume, au 7 cour générale de Gaulle, à Nans-les-Pins. Et Aurélie, elle ne sera pas avec nous par contre, c'est pas elle qui vous le pas vend. Tous les jours, non, pas tous les jours, mais elle peut revenir goûter quand elle en a envie. Ça, c'est gentil. Allez, à bientôt les amis. Au revoir.